Salut, moi c'est Ludovic, mais tout le monde m'appelle Ludo. J'ai 21 ans et j'habite à Paris. J'étudie les arts du spectacle à l'université. Je suis d'origine portugaise et je vis ici avec ma mère Lourdes. Ma mère est gardienne d'immeuble. Et lui, c'est mon père, Carlos, il est maçon. À l'âge de 9 ans, ma mère qui m'a élevé dans la pure tradition catholique m'a inscrit dans une chorale. C'est un peu grâce à eux que j'ai pris goût à la musique. Mais depuis 4 ans, j'ai trouvé mon univers, le hip-hop. Je danse, je chante, je compose. Pour moi, un artiste doit être complet. Comment je trouve l'inspiration? Grâce à la foi. Je prie tous les jours, c'est ce qui me donne la force de continuer. J'ai toujours cru qu'un jour, le destin frapperait à ma porte. Et il n'y a pas si longtemps, mes prières ont été entendues. Bonjour Ludovic. Ce fut un long parcours, ce fut de longues étapes de casting pour toi. Je dois t'avouer que on a été assez séduit par ce que tu dégages, ta présence sur scène. Donc, bah on a décidé que comme tu aimais les embûches, tu serais admis à la Star Academy. Bon, Ludo ! Je vais tout donner quoi, et je vais aller jusqu'au bout et je ferai tout pour pas vous décevoir. T'as réussi à réaliser ton rêve, hein? Depuis tout petit, que tu réalises ton rêve. Allez. Mon père est maçon et ma mère est concierge et ils se sont vraiment sacrifiés pour me payer mes études de musique. Je me suis entraîné comme un fou jusqu'à ce que je me sente prêt à passer le casting de la Starac. Quand j'ai passé l'audition, j'ai été déstabilisé par le jury parce que, après ma prestation, j'avais vraiment l'impression de m'être planté. Vers toi, je viens doucement, passer le mur du son, le signe de mon nom, je me place efficace, suis ma direction. Ludovic, c'est un fou de musique urbaine. Il chante très bien, il danse très bien le hip-hop. C'est quelqu'un qui doit se prouver à lui-même qu'il a les capacités vocales parce qu'il les a. Aujourd'hui, je suis prêt à ouvrir les portes du paradis. Alors, rendez-vous au château.